you're back. Donc là, on vient de finir de manger, on va se préparer et on va aller faire un petit tour sur la plage. C'est parti pour la troisième et dernière partie de Zanzibar. Let's go! So shut your mouth and run me like a river. Shut your mouth, baby, stand and deliver. Holy hands will make me a sinner. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Choke this love till the veins start to shiver. One last breath till the tears start to wither. Like a river, like a river. Shut your mouth and run me like a river. Payer la nuit pour le Rosanna Garden. Ah non, c'est le restaurant. Pardon. Rosanna's Kitchen. Et là, on marche du coup. Regardez ce cadre incroyable. On marche juste au nouvel hôtel et on finira le séjour. Il y aura une piscine. Donc, on va chiller. From killing, don't you say, don't you say. Manger à The Rock. Préparation aéroport. Tom c'est chinois. Tom is Chinese. Yeah. Typical Chinese name. Kusa Cave, spot pas mal. Il y a des chiens un petit peu autour, mais dans la cave, ça va, c'est propre. Il y a quand même tout le monde qui doit peut-être parfois pisser dedans, mais. C'était cool. Dont cet individu. Ne buvez pas la tasse, les copains. C'est la fin de cette vidéo. Donc, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu pour tout le travail de création et de montage. On remercie Pôle emploi d'avoir financé tout ce voyage. Alors, concernant le surf, en termes de vagues, on a pu tester qu'à J-Box, à côté de Pagé, de Jambiani. À partir de 1m3, 1m40, ça commence à devenir intéressant. On a des vagues qui vont ressembler à la barrière, à la tortue. Il y a les spots pour les débutants et les spots pour les confirmés, il n'y a pas de souci. Seul petit hic, c'est encore plus loin que Tahiti, donc forcément, il va falloir un bateau, sinon c'est impossible à la rame. Et pour le coup, vraiment impossible, il y a 1 km et quelques. Vous allez avoir besoin juste d'un bateau, c'est juste le côté un petit peu relou pour aller surfer sur les vagues qui sont plutôt pas mal, assez sectionneuses. Le reef est plat et franchement, pour les débutants, c'est largement accessible. Retour sur League of Legends et Call of Duty, let's go! Ciao!